Loan, une petite vidéo pour t'aider pour les sons. Sur la première vidéo, tu devais essayer d'entendre toutes les voyelles A, E, I, O et U dans des mots à deux syllabes. Les voyelles, elles sont en rose à l'école. Là, cette semaine, tu vas essayer d'entendre des consonnes, c'est des lettres bleues. Elles sont plus difficiles à entendre, c'est souvent celles qu'on entend dans l'initiale. On va pas faire toutes les consonnes, on va se concentrer sur celles qui commencent les prénoms de la classe et aussi on va rajouter les jours de la semaine. Par exemple, le m de Milia, le k de Chloé, le r de Romane, le t de Théis, le j de Jeanne, le l de Loan ou de Louis. On va rajouter le l de lundi comme Loan et Louis, le m de mardi et mercredi, et de Milia et de Mathilda et de Matisse, le j de jeudi et de Jeanne, le v de vendredi, le s de samedi ou de Sébastien et le de dimanche. On va pas tout faire en même temps. Pour les deux petits exemples, on va se concentrer sur cinq consonnes, cinq sons. Le v, le l, le r, le t et le s. Le v de vendredi, le l de Loan, le r de Romane, le t de Théis et le s de samedi. Donc, un exemple avec un mot qui aura deux syllabes. Voici le premier mot. Toi, tu dois essayer de replacer les sons au bon endroit. Qu'est-ce que tu entends dans la première syllabe? Qu'est-ce que tu entends dans la deuxième syllabe? Voici le premier mot. Ro-ti. Ro-ti. Donc, il va falloir que tu me dises ce que tu entends parmi ces sons-là. Pour rôti, dans la première syllabe c'était ro, donc c'était le r de Romane. Et la deuxième syllabe était moins facile, c'était ti. Ti, c'est avec le t de Théis. Un deuxième petit exemple. La, so. La, so. Quelles sont les lettres que tu entends dans la, so? Pour la première syllabe, c'était la, le l de Loan, et le so, le s de samedi ou de Sébastien. Voilà, tu peux faire maintenant avec maman d'autres exemples, toujours avec deux syllabes, ou peut-être trois, mais pas plus. Et donc, toi, tu vas te concentrer cette semaine sur les consonnes. Bon courage!